On va parler un peu de ce garçon, Étienne Kakou. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'il sera encore au niveau de ce qu'il nous a montré l'année dernière? Bon, déjà l'année dernière, il avait fait une excellente saison avec son pied gauche. Il arrivait à distiller des super ballons. C'est un garçon qui est aussi très bon à la récupération. Voilà, cette année, on espère beaucoup de ce garçon, beaucoup plus que ce qu'il faisait l'année dernière et surtout beaucoup plus de passes décisives parce qu'il en a la capacité. Donc, on va certainement retrouver dans un instant la composition. On va commencer par celle du WAC. Il y a une grosse présence dans les buts, c'est surtout l'arrivée de Mandju Boris, l'ancien gardien de la SEC Mimosa. Oui, Mandju, qui était remplaçant de la SEC, vient ici dans cette équipe pour jouer. Donc il sera accompagné de Diallo, bien sûr, derrière. Et puis on connaît un peu l'équipe avec les frères Rinda qui vont essayer de nous animer tout ça. Les frères Rinda, Jean. 5 premières minutes, la grosse question qui se pose tout de suite, c'est de savoir si l'équipe de Moussou réussira-t-elle à laver les doubles, on va dire les deux défaites concédées. Kouaou, parti sud au-dessus. Et voici justement celui dont on parlait dans ce match, notamment lorsque nous étions en train de préparer cette rencontre, Roger, parlant de Étienne Kakou, qui est un joueur très technique, capable de se projeter vers l'avant, capable de se muer également en buteur. Et là, déjà, illustration sur ce dépositaire du jeu, du WAC. On connaît la qualité de ce garçon, on sait qu'il a... Et il y a également Étienne Kouakou qui va enrouler sans problème pour Saul Christian, le rassurant portier de Moussou. Voilà, dans ce coup franc, il y avait certainement de la précision. Étienne a une qualité de frappe, on sait que c'est un grand. Moussou, nous avons beaucoup de respect pour Moussou. Mais nous sommes venus pour jouer notre football habituel. Et c'est ce que Moussou, nous avons beaucoup de respect pour Moussou. Mais nous sommes venus pour jouer notre football habituel. Moussou, nous avons beaucoup de respect pour Moussou. Mais nous sommes venus pour jouer notre football habituel. Je veux dire, il a poussé trop fort le ballon, ce qui fait que le défenseur Timothée lui a réussi à se dégager. Mais voilà, réalise aussi de bonnes affaires. Oui, mais c'est beaucoup plus facile pour les équipes qui viennent pour défendre. Ils arrivent à marquer peut-être le but juste sur un coup franc. On va attendre ici le coup franc qui se joue. C'est Étienne. Ah oui, bien frappé, mais la superbe claquette derrière de Soli Christian Kodjo. Le voici, l'homme dont on parlait en début de match. Un homme très important pour Moussou. Voilà, Étienne qui arrive à bien passer au-dessus du mur. Malheureusement, après pour lui, le gardien Soli était sur la trajectoire de la balle. Ce qui fait que il obtient quand même un corner. Le corner sera frappé par Étienne Kouakou encore. C'est levé au point de pénalty. Ça sera un peu plus derrière. C'est repoussé de la... C'est parti pour la deuxième période de ce match de clôture de la première journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, saison 2017-2018. Le WAC. Vous parlez du coach de Bosso, Guillaume Bélia. Ce match-là, on voit que de temps en temps... Les pieds de Timité. Et ça revient encore avec le joueur du WAC. Étienne, la faute sur Étienne. Si on ne peut pas jouer ça, on fait comment? Le ballon traîne, il met le pied. C'est un jeu qui sera encore défensif? Non, ça n'a jamais été défensif. Hein. On essaie de jouer. Quand l'adversaire a le ballon, c'est normal qu'on défende. Quand nous aussi on a le ballon, ils aussi ils défendent. On a bien joué cette intention-là. Le retour de Étienne Kouakou. Il attend du soutien. C'est bien joué là avec. Bien joué cette intention-là. Le retour de Étienne Kouakou. Il attend du soutien. C'est bien joué là avec. Qui joue très très haut. On l'avait signifié en début de deuxième période. Là avec Étienne. Il va accélérer. Étienne, il va essayer de se jouer. Même s'il en a faim un peu. Signifiant en début de deuxième période. Là avec Étienne. Étienne qui va accélérer. Étienne, il va essayer de se jouer. Même s'il en a faim un peu trop. Il n'allait pas le regarder quand même, je pense, à mon cher Roger Bolli. Surtout qu'il a joué de tous ces joueurs-là. Tout à fait. Et là, il percute. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a une petite faute puisque
le défenseur est derrière. Voilà, il fait une petite faute sur Etienne qui mérite. Etienne. Il résiste, il obtient la faute. Il y a une bagarre farouche dans ce milieu de terrain où vraiment les joueurs du WAC sont vraiment en difficulté. Ouais. Là, on voit Etienne qui n'a même pas le temps